les Sagittaires, bonjour, bienvenue pour votre lecture intuitive des énergies d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle rentrée de septembre. Comme d'habitude, une introduction qui va être très courte parce que si vous voulez avoir des infos d'un point de vue, le profil, comment est le Sagittaire, j'ai fait plein de vidéos, j'ai fait maintenant de manière ponctuelle, je fais des mini vidéos entre chaque mois de signe. Vous pouvez activer la cloche de notification et vous aurez accès, allez directement sur le profil de la chaîne et vous aurez accès à plein de petites vidéos qui vous permettent de comprendre, d'être un peu plus sur un travail introspectif afin d'être une meilleure version de vous-même ou si vous avez des moments difficiles, comprendre peut-être grâce à cette chaîne ou grâce au tarot d'évoluer. De vous élever et d'évoluer, toujours avec beaucoup de bon sens, de discernement, du recul. Si vous vous sentez super chahuté, il ne faut pas rader des chaînes de YouTube, il faut aller consulter quelqu'un de neutre qui va vous accompagner. Mais si tout va bien et que c'est de la curiosité, c'est super. On fait un tirage général au départ, puis sentimental à la fin pour les curieux et les curieuses que nous sommes. Et puis on se divertit, c'est l'objectif. Alors, d'un point de vue météo astral. Le Sagittaire, pour le mois d'octobre, il a de la chance parce que il est favorable, ce mois d'octobre, d'accord? Dès le 19, vous avez Vénus qui débarque dans votre ciel, il améliorera vos finances. Le fruit de votre travail pourrait s'avérer payant. Côté cœur, ça s'accélère avec une histoire qui vous aidera peut-être à casser la routine, si vous cherchez l'amour par exemple, ou des meilleures relations sociales ou amicales. Mais en tout cas, il y a un côté surprise et exaltation qui va faire du bien au moral. Vous retrouvez un peu le sourire d'un point de vue planétaire. Maintenant, allez voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir le max d'informations, bande de curieux. Allez, on va aller enquêter sur l'univers, qu'est-ce que l'univers propose comme énergie aux Sagittaires pour le mois d'octobre 2024? Allez, c'est parti, on y va. Allez hop, on y va, en route pour l'aventure, Fanta. Énergie, valet de bâton. Bon, on est dans le faire-faire, on est dans l'action. Les bâtons, c'est les signes de feu, donc c'est vous, le bélier, le lion, le sagittaire. Il clôture la boucle annuelle, le sagittaire, par la fin d'année. Donc en règle générale, c'est voyage, c'est exaltation, excentricité, il dit ce qu'il dit de manière des fois un peu brute. Il est en recherche d'expérience, toujours. C'est un grand messager. Le Sagittaire, il peut être très bien inspecté comme mal inspecté, mais il a cette tendance comme ça à voyager, avoir une belle imagination. Il peut être dans les excès parfois parce qu'il est très enflammé. Il s'échappe. Mais des fois, il faut le faire un peu redescendre. Le valet de bâton, c'est le nouveau projet, une étincelle, bien dans les couleurs automnales. Il y a une espèce il y a une régénération. On se régénère au mois d'octobre. Il y a effectivement, je parlais de surprise et d'exaltation par rapport à Vénus qui rentre chez vous dès le 19. Il y a les planètes en balance au début de mois, d'accord? Nouvelle lune le 2 octobre en balance, signe d'air, ça vient vous donner comme ça l'impulsion, la réalisation par les épées, par l'air, la tête, les idées. Et puis, on a une pleine lune, la pleine lune des chasseurs, la pleine lune de sang, la pleine lune qui s'appelle donc chasseur ou dans certaines tribus, le sang, parce que rouge, c'est le côté automnal, les feuilles, le marron, vers l'orangé et vers le rouge. Donc, à partir du 17 octobre, pleine lune en bélier, tchac, d'accord? Nouvelle vision, nouvel éclairage, nouveaux projets, nouveaux idées. En tous les cas, vous êtes bien inspecté, puisque au regard de ce que je viens de dire, on est pas mal. L'univers est en corrélation avec votre thème astral, valet de bâton. Il y a quelque chose de nouveau, on gratte la guitare, on remet un petit peu, on repart au flamenco, si vous faites de la danse, vous aimez la musique, il y a quand même quelque chose comme ça qui est un peu de passionnant, des chansons de passion, quelque chose comme ça qui vous prend aux tripes, ok? Alors ça c'est l'énergie, par contre vous rentrez comment, est-ce que vous êtes en phase avec l'univers ou est-ce que vous faites de la résistance, Vous faites de la résistance, vous résistez aux énergies ou est-ce que vous y allez? Je ne les prends pas, elles ne sont pas tombées une par une. Allez, on y va. On va analyser ça, comme d'habitude, par un tirage général. Alors, vous arrivez avec le 8 de bâton. Ça continue, les bâtons, signe de feu, c'est bien vous. Rapidité, vous, il faut que ça soit rapide. Maintenant, il faut qu'il y ait de l'action. Là, vous vous ennuyez, ça suffit. On sort de la maison, on sort de ces mauvaises idées. L'action de rapidité, d'accord? Il y a quelque chose de... Vous rentrez avec quelque chose de rapide. 8 en plus, c'est la boucle. Il y a un karma qui se boucle. Est-ce que vite, on veut boucler un karma et se donner une nouvelle impulsion? On veut redynamiser ses actions? On veut un nouveau job? On veut une nouvelle activité, c'est ok. Le défi, c'est le 9 de denier.
entre l'action et le résultat, d'accord? 8, ensuite 9. Mais là, on n'est pas sur du faire, là, on est sur de la réception. Le 9 de denier, le défi, ça va être de d'aller vers le 10. Hein. C'est de compter ces deniers, c'est de se satisfaire, pardon, de ce qu'on possède. C'est pas vouloir trop, c'est être équilibré entre les besoins et les envies. Et en plus, le denier, c'est palpable. C'est de l'argent, c'est de l'investissement, c'est un nouveau contrat. Il y a quelque chose. Le neuf de denier, c'est une satisfaction au regard de l'investissement qui est produit. Les aides qui viennent à vous, ça va être le 7 de denier, de l'argent, encore une fois, des deniers, de la matérialité, signe de terre, capricorne, vierge, taureau, hein, ça peut être dans votre thème ou autour de vous, mais ces signes-là, ils vont être omniprésents. Donc ça, c'est l'aide, hein, et puis vous avez vu, on a une femme sagittaire pour moi, hein, dans la représentation et dans le schéma qu'on fait du sagittaire, c'est un homme avec un corps de cheval et un corps d'homme. Et là, c'est représenté par l'aspect féminin. Donc là, il y a une partie féminine en vous, il y a une partie « j'accepte ma vulnérabilité », on va voir comment ça s'inscrit dans l'analyse, mais ça, ça vient en aide. Et vous finissez le mois avec un 9 de coupe. Super. Dos de deck, l'insatisfaction, l'ennui, le 4 de coupe. Ouais, je comprends. La réalité n'est pas peut-être à la hauteur de vos espérances. Il y a une nouvelle impulsion, un nouveau projet, une nouvelle envie, une étincelle de vie, une pulsion de vie. On a envie de vivre pleinement parce qu'on se rend compte que la vie, elle passe vite et que parfois, ça dépend si on a 20 ans et 80, on ne voit plus les choses de la même façon. Il y a une façon de voir les choses. Il n'y a pas d'arcane majeur. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas des éléments concrets qui vont venir comme ça être lourds dans la matière. Il n'y aura pas de grande transformation dans la matière, mais c'est un courant de pensée, d'accord? C'est des petites choses qu'il va falloir, les rouages, hein, la roue du temps. Il va falloir peut-être essayer de mettre de l'huile là où ça grince. Vous adaptez, vous équilibrez entre vos forces et vos faiblesses, acceptez de faire un travail introspectif parce qu'il est têtu, il est buté, le Sagittaire, des fois c'est votre faute à vous, il se remet jamais en question parfois, ça c'est quand il est mal inspecté, mais il a aussi ce côté d'accepter, il accepte pas quand on lui met le doigt là où ça va pas, mais c'est surtout qu'il lui faudra du temps pour le percevoir. Et puis tout le monde n'est pas en capacité à avoir le droit de lui parler comme ça. Il est complexe. Il est beau, il est gentil. Voilà, le Sagittaire, c'est une personne. Hein, c'est pas, vous êtes un Sagittaire, mais ce n'est pas ça qui vous définit. Mais il y a quand même des traits, des caractéristiques qui quand même vous permettent des fois de mieux comprendre comment vous réagissez. Là, je l'ai dit, vous démarrez le mois avec quelque chose de rapide. On a cette petite fille qui tient une échelle, qui se cramponne à quelque chose quand même qui lui permet de monter. Et on monte vite à l'échelle. Et on veut une nouvelle jeunesse, on veut une nouvelle activité. On veut grimper les échelons, on veut être puissant, on veut être reconnu, on veut. Le défi, c'est, est-ce que tu en as la capacité matérielle? Est-ce que tu es à la hauteur de tes attentes? Est-ce que tu n'as pas mis la barre un peu trop haute dans tes objectifs? C'est comme le sportif qui dit, moi, je fais 3 minutes 30 au chrono, le mois prochain, je fais 3 minutes. Est-ce que vous ne pourriez pas commencer par 3,20, 3,10 avant d'arriver à 3? Vous partez de 3,30 et vous croyez que vous allez arriver à 3 comme ça? Non, ça demande de l'endurance. Vous avez en gros les yeux plus gros que le ventre. Vous voulez aller vite sur quelque chose? Et vous ne voulez pas vous entraîner pour. Vous êtes un fonceur. Ouais, mais attention, ne pas confondre vitesse et précipitation. Ça peut parler de travail, ça peut parler de vie familiale, sentimentale, sociétale, relationnelle ou vous avec vous. Est-ce que vous n'êtes pas trop... vous mettez la charrue avant les bœufs. Est-ce que vous n'avez pas les yeux plus gros que le ventre? Est-ce que entre vos désirs profonds et la réalité, est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est raisonnable? Je vous donne un autre exemple. Vous avez la cheville cassée et vous pensez que vous pourrez faire un 100 mètres le week-end prochain. Vous êtes sûr qu'en 7 jours, la cheville va se réparer? Donnez-vous du temps. Et le 7 de denier, c'est ça. Mais comme on parle de denier, on parle d'être très terrien. On parle d'être très réaliste
Je veux acheter un bateau, ouais, mais je gagne 1500 euros par mois. Comment je peux acheter un bateau? Comment je peux investir? Est-ce que je ne peux pas louer le week-end un petit bateau pour promener plutôt que m'endetter sur 10 ans pour acheter un super bateau qui va au final me foutre au fond du trou dans ma gestion budgétaire? C'est un exemple, hein, vous l'avez compris. Donc là, le défi, ça va être de se satisfaire de ce que je possède. Et c'est avec ce que je possède que je dois être concret, être vigilant, être clairvoyant. Je ne peux pas faire plus que ce que je n'ai pas. Illusion, réalité. Et on parle de possession, hein. Donc on parle de matériel, je vais le faire avec l'exemple du bateau, mais on peut le faire avec une maison, avec un contrat de travail, des comptes en banque. Je vais investir dans la bourse. Ouais, mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es bien informé sur le sujet? Attention à ne pas perdre trop de billes parce que tu n'es pas encore au clair avec cette compétence-là. L'aide, c'est le 7 de denier. Apprends à monter la montagne avec ton bâton. Apprends à faire. Apprends à. Le 7, c'est la spiritualité dans l'ancrage. C'est apprends à faire avec ce que tu possèdes déjà. Tu as tous les atouts, tu as tous les outils. On parle de denier, donc je veux rester dans le concret, dans la matérialité. Je veux pas trop m'envoler. Le Sagittaire, c'est pas un signe qui s'envole. Il s'envole dans sa tête, mais il est. Après, vous pouvez être très spirituel et être Sagittaire, c'est pas le but. Mais c'est un signe de feu qui s'enflamme beaucoup et parfois il est déçu parce que c'est pas à la hauteur de ses ambitions. Il ne vit pas ses ambitions, il ne vit pas de ses rêves parce que il rêve trop haut, trop fort, trop vite. Et la réalité est parfois tellement différente de nos aspirations. Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer petit et se satisfaire de petites choses? J'ai une barque le week-end. Voilà, ça me va très bien. Et puis, je commence peut-être à faire des petits trucs pour essayer d'acheter. Voilà, je budgète, je projette, mais de manière plus sérieuse, plus adulte, plus mature, pour dans 2 ans m'acheter un truc un peu plus haut. Puis dans 3 ans, un truc un peu plus haut. Je ne peux pas acheter le paquebot tout de suite. Donc, l'aide qui vient à vous, c'est regarde déjà tout ce que tu possèdes. Regarde déjà tout ce que tu as gravi. Sois fier déjà de ce que tu as. Il y en a plein qui n'ont pas tout ce que tu as. Après, on n'est pas là pour vous faire culpabiliser non plus. Hein, faut attention, hein, il ne faut pas penser que les autres, ils n'ont rien, donc du coup, je dois rien avoir. Non, vous avez le droit d'avoir. Mais construisez pas à pas ce projet, cet investissement. Commencez doucement, petit à petit. Allez, mais il y a quelque chose de nouveau. Je sais pas moi, vous voulez absolument aller sur Internet, vous êtes en retraite, vous connaissez rien aux ordinateurs, ben commencez pas à acheter le matos d'un gamer ou d'un youtubeur. Vous n'avez pas besoin d'avoir des grands trucs, des grands outils. Vous avez besoin d'un ordi, d'une connexion Internet et surtout d'apprendre à savoir comment ça fonctionne avant de vous acheter le grand matos des super pros. Vous n'êtes pas informaticien. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous finissez le mois avec un 9 de coupe. Encore un 9, hein, pas mal de. On va vers des fins de cycle là. On comprend un peu plus les choses. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction, l'amour de soi, de montrer aux autres qu'on est capable. C'est le selfie devant toute l'assemblée. Regardez tout ce que j'ai réussi à mettre tout le monde d'accord. J'ai réuni autour de moi, j'ai réussi, je montre ma réussite, je me réconcilie aussi. Il y a de l'abondance dans le 9 de coupe, mais je le fais avec amour. L'amour de réunir les siens autour d'une réalisation. Donc, il faut juste être content et satisfait de comment on a mené sa barque. Et attention, tout ce qui brille n'est pas or. Ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir par des vendeurs à la sauvette, ne vous faites pas avoir par des offres alléchantes, fabuleuses, qui va plus vous mettre dans l'embarras financier qu'autre chose. Attention, vraiment, je l'entends ça, hein. Tout ce qui brille n'est pas or. Ne vous laissez pas berner, ne soyez pas crédule envers un contrat, envers une personne, envers une situation quelconque, mais ça tient vraiment. Là, on va parler vraiment de commerce, on va parler de consommation. C'est des deniers, hein, donc c'est relié à l'action et à l'argent. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'en dos de deck, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'ennui. J'ai deux coupes debout et deux coupes par terre. C'est sombre, c'est verdâtre. Je suis pas de tout ce que je viens de faire là, je suis pas satisfait. L'éternel insatisfait.
Là, j'ai des sagittaires ici qui vont, malgré tout ce que je viens d'expliquer, le résultat ne sera pas à la hauteur de ses attentes. Et donc, la désillusion peut profondément vous faire défaut. Il y a la reine de coupe derrière. Et on a le monde. Donc, j'ai envie de vous dire, si j'ai, je prends l'exemple d'une rencontre amoureuse, parce que ça vous parle peut-être plus des fois. Je vous prends l'exemple. J'ai 50 ans, je suis divorcée, veuve, peu importe, je suis tout seul. Je me mets sur un site de rencontre. Je veux rencontrer une nana entre 30 et 60 et 50 ans. Enfin, j'aspire et je pense que je suis capable de... Je veux une femme plus jeune pour le côté moderne, un peu la frime, pourquoi pas. Je veux rencontrer quelqu'un de plus jeune. Et là, vous êtes, je sais pas moi, cadre sup, bon retraité, bref, vous montrez quand même que vous êtes quelqu'un qui possède une maison, vous mettez des stories de votre baraque, de votre vie, on voit quand même que vous êtes quelqu'un qui a réussi dans sa vie. Vous allez peut-être attirer des gens de 30, 40 ans, des femmes, en l'occurrence, si vous cherchez une femme. Est-ce que vous êtes sûr qu'elles vont être là pour vous parce qu'elles auront un coup de cœur sur votre physique, votre mentalité, ou est-ce qu'elles sont là pour la sécurité financière et matérielle? Est-ce que vous pensez réellement que toutes les femmes seront attirées par vos yeux, votre humour, votre sensibilité? Il y a beaucoup d'ego, d'accord? Il y a beaucoup d'ego et votre ego peut vous mettre des œillères. Tout le monde n'est pas là pour les mêmes raisons. Il est bizarre cet exemple, hein. Je suis vraiment navrée, hein. Mais sur les sites de rencontres, il y a des gens qui sont là pas pour rencontrer l'amour. Il y a des gens qui sont là pour la sécurité, pour leurs besoins personnels, hein. Et pas pour fonder, et qui n'ont pas les mêmes aspirations que vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est space, hein, mes exemples. Hein. Mais là, on va parler d'argent, d'action, d'ego, de briller, de réussir. Vous vous montrez, vous réussissez, il y a de l'abondance. C'est le 9, hein, c'est pas le 10. C'est pas la ruée vers l'or. Hein. Il manque encore une étape à comprendre. Il y a une étape, il faut cheminer, il faut accepter la réalité, même si parfois elle est dure. Mais la satisfaction, attention aux désillusions, parce qu'après, derrière, on est ennuyé, on est... Le cadre de coupe, c'est l'ennui, c'est la déception, c'est... il est anéanti, le gars, quoi. Il est anéanti dans ses fondations, dans sa construction émotionnelle, hein. Je vais mettre une carte du Penta Oracle parce que il est bien ce petit oracle pour les états d'esprit. Comment vous êtes là au mois d'octobre? Attention, hein, j'ai parlé tout à l'heure d'un horoscope qui peut être très surprenant, qui peut faire du bien au moral, vous retrouvez le sourire. Vous retrouvez le sourire, mais il va falloir la vertu de l'économie spirituelle, l'économie amoureuse. Ne soyez pas tout feu, tout flamme. Ne soyez pas tout feu, tout flamme. Tout le monde n'a pas un bon cœur comme vous. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde ne vient pas vers vous pour de bonnes raisons. Ne soyez pas crédule. Voilà ce que ça veut dire. À mon avis, hein, après, on peut l'interpréter différemment, mais c'est ce que je ressens. Alors, on a voilà, les insomnies, la persécution, la nuit, c'est des cauchemars, c'est l'impression de s'être trompé, la nuit porte conseil, du coup, vous culpabilisez, vous vous sentez... y a une oppression, quoi. Ouais, vous pensez que tout le monde est contre vous, il y a un peu de paranoïa. Vous n'êtes pas serein, quoi. Est-ce que ce qui est bien, ce que j'ai fait, les doutes, les fantômes, vous voyez ce côté, pourquoi j'arrive pas? Il faut accepter des fois de pas être au top, quoi. C'est ok, c'est pas grave. La beauté, c'est très subjectif. L'amour, l'amour, ça s'explique pas quand c'est vraiment de l'amour. Il y a l'amour et l'intérêt, hein. L'intérêt, c'est du profit, hein. C'est pas de l'amour. Si quelqu'un a de l'intérêt pour vous, est-ce que c'est par profit ou par amour? Ça, c'est à vous de distinguer le vrai du faux. Et on a homeless, On a la pauvreté. Mais la pauvreté, c'est ça, quoi. Attention à pas tout perdre, hein. Attention aussi à pas flamber, à pas jouer. Attention à pas tout perdre parce qu'on a eu de l'ego, et paf, j'ai tout perdu, vous vous êtes fait avoir. Et on a l'aide, hein. Accepter de l'aide, hein.
accepter d'être aidé dans cette vision erronée que vous avez de l'amour. Peut-être, attention à vos contrats, hein, attention à ne pas vous faire avoir d'un point de vue financier. Hein. Attention à ne pas vous retrouver seul dans la rue, planté comme ça, parce que vous avez péché par le péché de l'ego, le péché de l'excentricité, le péché de... comment on appelle ça, là ? Dans les sept péchés capitaux, là, comment, la luxure, ça fait penser à ça, hein ? Ça fait penser à un homme ou une femme qui entretient quelqu'un qui pense... Enfin, vous voyez, vraiment, c'est du profit. C'est du profit... Ah, attention à pas tout perdre. Ça va vous inquiéter tout ça, hein. Ça peut être inquiétant. Bon, retrouvez le sourire quand même. Je vais mettre des bâtonnets. Qu'est-ce qu'on vous demande de, qu'est-ce qu'on vous, bon, il y en a deux. Les activités. Donc, ça peut correspondre à ce que je disais, c'est-à-dire le pro, le perso ou les hobbies. Donc là, attention, voilà. Dans vos activités, ça pourrait se matérialiser, cette explication. Et le côté stoïcien. Vous voyez, on parle de vertu. Sagesse et vertu. Le bonheur, il vient de l'intérieur pour les stoïciens par rapport aux épicuriens qui sont à la recherche du bonheur par l'extérieur. Le bonheur est en vous. L'amour est en vous. Estimez-vous, les stoïciens partent du principe que c'est par la sagesse et la vertu qu'on découvre le bonheur intérieur. N'allez pas chercher le bonheur ailleurs. Il vient d'abord de vous, le bonheur. Si vous êtes heureux avec vous-même, si vous avez conscience de votre personne, ça s'appelle de l'estime de soi, il faut d'abord s'estimer. On n'achète pas l'amour. On n'achète pas les gens parce qu'on a de l'argent. On n'achète pas des copains parce qu'on a du fric et qu'on paye tous les week-ends notre coup à boire. Si les gens vous aiment, ils vous aiment pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous possédez. Voilà. Elle est là, la phrase type. On vous aime pour ce que vous êtes. On ne doit pas vous aimer parce que vous donnez de l'argent ou parce que vous... Voilà. C'est pas, si on vous aime pour votre argent et pour votre bien, c'est de l'intérêt, c'est pas de l'amour. D'accord ? Pour ceux qui restent, on va aller au sentimental, on va aller un peu enquêter et creuser pour voir si ça se retrouve. Et puis pour ceux qui s'en vont, je vous donne juste une petite phrase de l'oracle du quotidien. Attention, on y va. Roulement de tambour, la phrase de l'univers pour vous. Ne te justifie devant personne. Ne te justifie devant personne. Vous n'avez pas à vous justifier dans vos dépenses, dans vos choix. Vous devez faire des choix en votre âme et conscience, qu'ils soient bons ou mauvais, ce sont vos choix. Vous êtes un adulte, une adulte, à vous tirer de vos expériences des leçons. Si c'est toujours pas des leçons, elles reviendront pour que vous puissiez comprendre et avancer et j'espère évoluer. Sinon, vous reproduirez inlassablement toujours les mêmes situations. Vous attirerez toujours les mêmes personnes. Et ça se reproduira sous forme de destin si vous n'avez pas compris qui vous étiez. D'accord ? Allez, j'arrête là. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Après tout, vous faites bien ce que vous voulez. Mais si vous n'êtes pas bien et chahuté en ce moment, c'est peut-être parce que vous deviez comprendre ou entendre ce genre de choses pour avancer. Allez, maintenant le sentimental, on y va. On va prendre madame, parce que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous le consultant. Et puis on va aller voir d'un point de vue sentimental ce qui se... La 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 la. Votre vie est un opéra, hein. Votre vie est une douce dérive à la recherche du bonheur. Oh, c'est beau. Beaucoup de poésie, là. Hein. Allez, les Sagittaires, hommes ou femmes. Il est dur, votre tirage, là, ce mois-ci. Pourtant, il est bien inspecté, ouais, mais c'est l'amour. Vous êtes porté par Vénus, donc du coup, vous avez besoin ou envie d'un peu plus d'amour. On a la lettre, hein, on a la communication. Oh, pardon pour la lumière. On a la lettre et le serpent. Ah ouais. Attention aux tentations, hein. Oh purée, tentations d'amour, hein. Attention, vraiment, faites attention à vous par rapport à vos rencontres sur Internet. Soyez prudents. Moi, j'ai envie de dire, prudence est mère de raison. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça se trouve c'est mal dit. Non, c'est pas ça. Prudence est mère de raison. Ouais, je ne sais pas. Soyez prudents, vous excitez pas, vous emballez pas. Essayez quand même de bien connaître les gens avant de vous engager ou quoi que ce soit. Et pas de vous faire arnaquer. Je ne sais pas pourquoi je devais dire ça à quelqu'un. Alors, on a la chance, on a le trèfle. On a vous, consultant, à la recherche de la chance, qui veut tenter sa chance. On a les difficultés, la montagne. Oh là là, on a le stress et on a le lys.
Bon, ben là, très clairement, on peut avoir des célibataires hein, qui stressent parce qu'ils veulent s'engager, qui stressent parce qu'il y a des difficultés dans leur amour, il y a une montagne à gravir, il y a des choses à comprendre. Au niveau communiquer aussi, hein, communiquer, ça peut être stressant pour vous, pour valider un engagement. Alors, si vous êtes célibataire et hein, que vous n'avez personne dans votre vie, ben, vous voulez tenter votre chance. Hein, peut-être que vous avez envie de nature, vous avez envie de faire des choses naturellement, vous voulez que l'amour arrive naturellement à vous. Vous êtes pas peut-être un spécialiste des rencontres sur Internet et que vous voulez faire un peu à l'ancienne. Sauf que dans la réalité, ben, c'est vachement compliqué aujourd'hui de trouver quelqu'un. C'est stressant de retrouver quelqu'un, c'est stressant de parler, de se rencontrer, d'officialiser. C'est stressant aujourd'hui de quelque chose de noble et de pur. Vous avez l'impression que ça n'existe plus. Il y a des croyances limitantes. Hein. Avant, c'était mieux, j'entends. Il y a un côté, avant, on rencontrait les gens, c'était plus sympa, c'était plus vrai. Aujourd'hui, c'est à la rapide, à la recherche du plaisir à l'instant T, et puis on passe à autre chose. Vous êtes un peu déçu par la modernité au regard de l'amour aujourd'hui, peut-être. Et vous pouvez avoir 20 ans comme 60 à avoir ce genre de pensée. Hein. C'est OK. Si vous êtes en couple, on voit quand même qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup de difficultés, qui sont quand même pas faciles dans un engagement qui est bien lourd. Il y a des engagements ici maritaux qui sont très très lourds à porter, à gérer au quotidien. Ça vous stresse et vous avez envie de légèreté, vous avez envie d'air frais, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, soit dans votre couple, si vous pensez qu'il faut sauver quelque chose, soit effectivement cette relation, elle vous abrutit, elle vous plombe, elle vous fatigue dans vos énergies parce que cet engagement, il est lourd à porter. Même après 5, 10 ou 15 ans ou 30 ans de vie commune. En tout cas, il y a beaucoup de lourdeur, beaucoup de stress, quelque chose qui vous ronge. Il y a un engagement qui vous ronge. Et si vous êtes vraiment célibataire et que vous n'avez personne dans votre vie, c'est la notion même du mariage qui vous stresse et qui vous ronge. Hein. Vous engagez pour certains, c'est même pas en rêve, hein, pas en vie. Hein. C'est trop de stress et trop de travail de donner du temps et de l'attention à l'autre. C'est compliqué une vie de couple, c'est compliqué une vie de famille. Vous voulez de légèreté, vous voulez des rencontres légères, vous voulez vous amuser, vous n'avez pas envie de vous taper la bobonne, le bonhomme et quatre marmots dans la baraque. Vous n'en êtes pas là aujourd'hui. Alors, par contre, je vais prendre le tas parce que ça m'intéresse. Il y a une communication qui est rusée, d'accord? Donc, attention, comme je l'ai dit, aux rencontres, voilà. Au niveau des le jardin, ça ne m'étonne pas. Il y a une rencontre qui peut être faite ou de la communication sur Internet. Je reprends, on est un peu sur la suite du tirage général. Hein. Donc, il y a une lettre, il y a de la ruse, il y a la tentation, la ruse sur le côté haut. Oh, tu es beau et tu es belle, j'ai envie de te rencontrer. Donc il y a des gens, hein, le jardin c'est les relations sociales, amicales, etc. Donc il y a une rencontre qui peut être faite, mais la personne en face est peut-être pas aussi honnête que vous le pensez. Le voyage, etc. Et on a quelqu'un de mature, hein, on a quelqu'un en face, homme ou femme, hein, peu importe, quelqu'un de mature qui a très confiance en elle ou en lui, qui a pas peur de se montrer, mais en tout cas il y a un voyage rapide vers cet état-là, vers cette personne-là. Attention aux illusions. Hein. Les illusions, hein, il faut regarder une situation d'un peu plus près. Si vous êtes un homme, ne jouez pas au serial lover, parce que l'attention en face, c'est peut-être pas si sain que ça, et vous interchangez mesdames. Hein. Et on est en... Voilà. Hein. C'est compliqué hein, dans la sphère de vouloir faire des rencontres. Le labyrinthe des rencontres, hein, pas facile de trouver des personnes invalables. Hein. C'est nuageux pour le moment. Voilà, j'étais sûre qu'il y avait l'amour derrière. Il y a le secret, il y a le puits, il y a le secret, il y a tout ce qui est vaseux, qui stagne, les émotions stagnantes avec le cœur. Vous devez vraiment, il y a des solutions entre le passé et le futur, l'amitié, la loyauté. Il y a des valeurs quand même qui sont fondamentales. Et des fois, il faut rester seul dans sa grotte comme l'ours. Il faut hiberner, il faut réfléchir avant de s'émoustiller. Bon, attention aux fausses rencontres. Attention aux fausses personnes, attention à de fausses idées, de fausses croyances, tout ce qui brille n'est pas or. Je vais mettre des breloques, ok, pour avoir un petit conseil supplémentaire. Et après, on ira voir les signes astro. Alors, je ne dis pas que les personnes sont nocives autour de vous. Hein. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a? Le B, le C, le I, le R. De briques et de brocs. Hein. Attention à votre RIB. Attention à la banque. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais... Bon, B-I-R-C. Birk. Birk. Briques.
Bon, attention à votre maison, hein. Attention au papier de la maison, hein. Allez, on a le 4, on a le 2, on a le 4. Donc le 4, c'est les fondations, la chance, la légèreté. D'accord ? Il y a des fondations. Le 4, c'est le 4 pieds d'une chaise, la stabilité. D'accord ? On a envie de léger, on a envie de stabilité, on a besoin de stabilité et de légèreté. Ça, c'est des besoins profonds et c'est OK. Trouvez-les par vous-même, ça tombera pas du ciel. À vous d'aller chercher la stabilité et la vérité. On a le poisson bien consommé sur la montagne. Vous avez vu, le poisson, il grimpe la montagne. Donc l'abondance, la montagne, c'est une carte de difficulté. Et là, on a vraiment un poisson, mais le poisson, c'est une belle abondance. Mais lui, il reste les arêtes, hein. Donc c'est le reste du poisson. Donc l'abondance, elle a été épurée, hein. Ça devient difficile, hein. Là, il nous reste le poisson au fond de la poubelle, hein. L'abondance, elle est en train de partir, hein. Comme la communication d'ailleurs, hein. Attention à la communication et à la foi. Ça, c'est important. Alors, si vous aimez prier, vous priez. Ça, ça vous fait du bien, allez-y. Mais là, il y a une question de s'en remettre et de communiquer avec foi. Être sûr de soi. Il y a un côté... comment on pourrait dire ça ? Il y a un côté avoir la foi, mais communiquer clairement vos demandes à l'univers. Soyez clair avec vous. Faut communiquer par rapport à la perte de quelque chose, à la perte d'abondance. Il faut vraiment dire les choses, je crois. Je sais pas. Je vous donne un exemple, hein, par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Les personnes qui se tournent, je reprends l'exemple des sites de rencontres. Dites à ces personnes avec qui vous discutez que vous n'avez rien, que vous êtes quelqu'un de lambda, avec un petit appart, une petite retraite. Vous allez voir si elles vont continuer à communiquer avec vous. Et là, vous saurez si oui ou non ces personnes, elles vous aiment pour ce que vous êtes ou si elles sont attirées par le profit. Et là, on a ce côté diamant qui s'est carrément évadé. C'est pas pur. La situation, elle n'est pas pure. Il y a un truc qui gangrène la situation. La pureté, elle s'échappe. Non, c'est pas pur, c'est pas noble, c'est pas beau. C'est du fake. Deep fake, fake news. Tout ce qui est... Attention, soyez pas crédules. Attention entre la réalité et le désir. Parce qu'on désire tous être aimés. Mais à quel prix ? Ah, il y a un besoin de stabilité là. Il y a un besoin de comprendre. Alors après, je dis pas que toutes les personnes que vous rencontrez sont minables, hein. Mais faites le tri. Faites le tri pour vous protéger. On va voir s'il y a des signes astraux qui se réveillent là-dedans. Vous êtes en face de qui ou de quoi ? De la maison 9. Mais la maison 9, c'est la vôtre, hein. La maison 10, c'est le Capri. Oui, c'est ça. La maison 9, c'est le sens de la vie. Pars en quête de ta propre vérité, au bout du monde ou au cœur de toi-même. Ose aller vers l'inconnu avec ouverture. Découvre ce qui fait sens pour toi et aiguise ta conscience pour te révéler à toi-même. Il n'y a pas plus clair, hein. On continue. Vous voyez, là, je suis en train de me toucher le dos, là. J'ai mal au dos. On a l'équinoxe de printemps. Ostara, le temps de l'espoir. Le printemps arrive dans ta vie. L'espoir renaît, la vie s'éveille et les projets fleurissent. Crois en toi et ouvre-toi à la magie de la vie. Regarde la réalité. Arrête le faux. Va au vrai. Va te mettre dans un club de ton âge ou des copains. Trouve un hobby pour rencontrer de vraies personnes et pas le faux. Il n'y a pas que du vrai, hein, sur Internet. Bien évidemment. Faites la part des choses. Et enfin, allez, une troisième parce que c'est vous, mes Sagittaires. On a l'énergie yin, le féminin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez le droit d'être vulnérable, hein. Vous avez le droit de vous faire avoir, vous avez le droit. C'est OK, hein. On n'est pas tous des dieux, hein. Pas encore, hein. Connecte-toi à ta part intuitive subtile. L'énergie yin t'invite à faire le silence en toi pour te mettre à l'écoute de ton âme. Ta petite voix intérieure sait ce qui est bon pour toi. Tiens compte de son message, elle connaît le chemin. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre vulnérabilité, à votre sensibilité. D'accord ? Je crois qu'ici, on a vraiment, vraiment besoin de voir la réalité en face. On a besoin d'accepter ses parts d'ombre et de lumière. On a besoin d'être mature face à une situation. On peut reconnaître qu'on s'est trompé. On peut reconnaître qu'on a été fragile ou faible à un moment donné. Mais vraiment, faites attention à vous. Après, si tout va bien dans votre vie, lâchez le message, hein.
faites autre chose. Hein. D'accord ? Les Sagittaires, je vous fais une très grosse bise. Vous prenez vraiment soin de vous. Vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous avez besoin de commenter, faites-le pour les autres collègues Sagittaires s'ils ont besoin de vous, etc. Comme d'habitude, hein, on se retrouve le mois prochain pour la suite, pour le mois de novembre. Et puis, écoutez, voilà, vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de travailler de manière plus individuelle sur les aspects sombres ou lumineux de votre vie. Allez, vous prenez bien soin de vous. Salut les Sagittaires.